Tu remets juste à zéro. Vas-y. Ah, tu peux faire des à-coups, hein, ce sera ton problème. Ah, putain. Il est chiant, ce truc. C'est bon ? C'est bon. Pas de soucis derrière ? Ok, nickel. Ça va, ça va. On est parti. Bon, on vous ramène à des rouges. Ah, bah si vous voulez, hein. Faut pas me tenter. Vous savez, reprendre la route, ça me ferait plaisir. On prend où ? Gauche, droite ? On va prendre la droite. Tu sais, je repartirais bien traverser la Belgique avec un mètre au volant, là. Ouais. Ah, le titre, ça va être les choses à ne pas faire. T'as déjà le titre. Avec une musique dramatique, tu sais. Ouais, ouais. Putain, mais le volant Renault, c'est horrible. Il est gros, hein. On fait ton autocritique, ton débrief. Tu me dis ce que tu as pensé de ta conduite. Qu'est-ce que tu trouves qui était bien, qui était pas bien dans ta conduite? Ça va? Ouais. Ça marche? Bon, on voit que tu roules, hein. On voit que tu as l'habitude de rouler. Tu me dis, hein, si il faut que je me répète, hein, tu n'hésites pas à me dire. Par contre, tu roules trop à droite. Il y a plusieurs fois, tu as vu avec le rétroviseur, on a tapé les arbres. Alors, c'est que des feuilles. Mais méfie-toi parce que des fois, dans les arbres, il peut y avoir un panneau ou il peut y avoir une branche qui a été coupée depuis quelques années qui est un peu plus grosse. Donc, vraiment, fais attention. Et puis tu vois le trottoir, quand tout ce qui est... J'ai appris un peu à rouler comme ça, grand camion. Oui, mais non, mais c'est... Voilà, je... Bah oui, ouais, ça marche. Non, non, mais tu te débrouilles bien, ouais. C'est pour améliorer, c'est des ouais. conseils, hein, ne prends pas mal. Hein. Mais, et du coup, le tournant à droite, quand il y a le terre-plein là, avec ouais, des pavés, roule dessus, n'hésite pas. Mets-toi complètement à gauche, parce que le trottoir, il est vraiment haut. Si tu roules dessus, là, tu risques d'éclater un pneu ou d'abîmer. Hein. Tu débrouilles bien, hein, voilà, c'est bien ce que tu fais. Hein. Et le parcours était très dur, hein, c'était des petits villages et tout, je t'ai pas fait de cadeau. Hein. Ouais. Non, non, t'inquiète pas, c'est des conseils, hein. Prends-les comme des conseils. C'est vrai que le jour du permis, tous les candidats, c'est le circuit qui redoute le plus. Parce que celui-là, il passe dans les patelins. Ouais. Ouais. Après, j'ai vu que vous avez un bon niveau, donc voilà, c'est pour ça que je me permets d'aller là. Et surtout, vous suivez le ralentisseur. C'est ouais, mais pour l'instant, tu vois, ça lui faisait beaucoup de choses avec le camion, donc le ralentisseur, ça sera plus tard. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Mais... Tu vois, il était beaucoup dans son gabarit et tout ça, ouais, donc mécaniquement, on peut pas. Ça sera l'étape d'après, je te dis. C'est ouais. Non, tu peux l'utiliser aussi quand tu roules tous les jours, c'est mieux d'utiliser. Ouais, mais je vous l'expliquerai cet après-midi en éco-conduite. On le refera et je t'expliquerai. On refera cet après-midi. Là, ce matin, je vous dis rien, tu vois, je vous donne juste des petits conseils, mais là, aujourd'hui, je regarde juste, enfin, ce matin, je regarde juste ce que vous faites. Tu nous évalues. Voilà. Cet après-midi, j'essaierai de mettre en place, on essaiera de bosser le ralentisseur, on essaiera de ralentir, de gagner en conso un petit peu. L'étiquette. C'était pas niche ça.
Tu peux rouler, c'est 80. Ah, c'est 50. Non, c'est 80. Ah non, je te promets, c'est 50. Ah, c'est la côté travaux. Ouais. Il y avait le panneau. J'étais sur la carte. Ah, sinon, t'inquiète. On n'est pas en permis de conduire, tu vois ce que j'ai dit. Je roule. Hein. Après, voilà, on ne sait jamais s'il y a un petit radar qui traîne, une jumelle ou deux. Là. Ah, bah, c'est sûr que là. Voilà, t'as un rappel là encore, là, 50. Ouais, j'ai l'impression aussi, franchement, parce que. Ouais. Le bouvron, il est fait là, pourtant. C'est même, ça démange un peu de rouler sous le coup. Ouais, carrément. La moto, tu fais la gueule là. Marc, rassure-moi, t'as pas les doigts sur l'objectif. Ah non, non. Non, c'est bon. T'inquiète pas. Bah, je prends un peu quand même. Non, non. Bah, si, regarde. Là, là. Non, là, non. Non. Tant que tu vois pas tes doigts sur l'écran, c'est bon. Non, non, on voit rien. C'est nickel. Bien. Là, ils t'ont mis un tapis là, et tu dois rouler à 50. Ouais, t'imagines un bécane là. Je te ferai la facture à la fin. Hein. Ouais, content, c'est une 1250 alors la tienne. 1200. T'en es content, ça va? Ouais, 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 bon, je sais pas, mais bon, c'est très confortable, vous savez, quand tu fais des kilomètres. Bon, bah, c'est vrai que c'est la moto, c'est agréable sur les petites routes. Ah, bah, c'est parce qu'on est revenu là, à Belfort, on est remonté sur l'autoroute et après, c'est vrai que c'est. Par contre, c'est un chiant des fois, parce que tu te roules comme tout le monde. Bah oui, t'es comme une voiture, hein, t'es pas t'as une moto, t'es comme les pneus. Bon, maintenant, ils ont des régulateurs ou des machins comme ça qui te permettent des fois de lâcher la main de l'accélérateur. J'aimerais pour ça, quoi. Le seul problème, c'est que le week-end de Pentecôte, on est parti vendredi matin. Je suis dans la nuit, c'est là où il a commencé à flotter, des tombées des corps. Ah oui, d'accord. C'est vrai que j'ai un peu regardé les infos sur l'allemand, et du coup, sur l'allemand, à 22h, j'ai vu qu'il mettait des zones rouges, là, sur la frontière française. Ah, ouais. Il y aura un risque de 10 litres d'eau au mètre carré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Moi, je me suis dit, c'est dommage que je remonte sur la route, je n'étais pas plus de 4-5 mois. Le seul avantage, c'est que tu pourrais t'habiller en pluie à la maison. Oui. Donc, au moins, tu te mettais sur les machins. Et après, une fois qu'on était parti, Münster, ça c'est énorme, vers Colmar, ça s'est arrêté. Par contre, comme on a mis un tracé. Il y a beaucoup de roues, lui. Il a fait de l'Hachelot, pas dans l'Alsace. Ok. De l'Hachelot, pas dans l'Alsace, sous la flotte. Malgré l'interdiction. Oui, 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 je te donne l'autorisation. C'est une desserte locale, on peut la prendre. Bah, ça sera ma prochaine, moi, je pense. Je vais monter en cylindré, ça sera la prochaine. Je roule en 850 GS, les modèles en dessous. Ouais, la dernière, il y avait une. Il n'a pas changé de moto, donc l'année dernière, ce modèle que j'avais trouvé un peu récent, il a revendu, il n'avait pas gardé longtemps. Et cette année, il s'en est racheté une avec des cylindres, on a une avec des cylindres, un peu plus sport. Ouais. Il a, avec l'occasion, hein, il l'a acheté au magasin. Ok. Ouais, il a fait un serrage, on va dire. Il a fait un serrage avec la moto. Ils sont revenus à deux sur une moto, il a laissé la moto là-bas. Là, ils vont récupérer chez BMW, donc ils vont lui la réparer et machin. Elle est lente. Moi, j'aurais pas laissé passer. Carrément. Parce que là, surtout là, elle sait qu'elle est derrière pour un moment. Ah bah je viens de faire l'entretien de la mienne là, putain, 280 euros la vidange. GBM, 280 euros la vidange. Putain, 40 minutes il l'a gardé là. Il y a l'huile quand même avec. Bah putain. Ah, quand même à ce prix là. Il me dit, ah bah tout va bien. Ah bah j'ai vu, j'espère quand même t'as checké un peu. Bah, c'est une moto. Une moto, une BM, une GS aussi, ouais, je roule en BM. Ah mais après voilà, GS. Ah oui non mais c'est sûr, c'est comme si t'en. Tu vas chez BM en voiture, mais tu ramènes une série 7, tu vois. Oui, oui.
cardan, il y a quoi faire? Il y a une vidange sur le cardan, évidemment. Je crois qu'il est garanti à vie chez BM. Je crois que si t'arrives quoi que ce soit, il est garanti tout le temps. J'ai rien fait depuis. Non, mais je pense qu'ils font la vidange du cardan, mais je sais pas tous les combien. Oui, je pense qu'il sera fait. Mais bon, ça va coûter cher et tu sais pas ce qu'ils ont. Quand tu sais pas ce qu'ils ont fait vraiment. Ah ouais, ok. J'avais été à Caire. Ouais. Bon, après, finalement, c'est parti pareil. Quand tu viens pour acheter, c'est pour moi. Ouais. Quand tu viens et que t'as un problème. Je vois où il est, la boutique à la Caire, je vais aller. J'ai acheté mon vélo en face chez Cube. Tu sais, ils ont un magasin de chemin du vélo. Ils ont un magasin de vélo en face Cube qui est énorme. Je fais du vélo, je fais la route. Ah ouais, ok. Je fais aussi du vélo. Je fais plus de vélo quand même. Ok, bah pareil. Après, je roule souvent. Ouais, je roule souvent côté allemand et seulement nous on roule avec les copains et après à midi on s'arrête une heure, on s'arrête au Moscou, on va dire. Ouais. On va prendre un verre de plaisir. C'est vrai qu'on y a des bicyclables partout. Dans les vergers là, une fois plus qu'on a un peu de liaison, là, c'est vrai que c'est magnifique. Je peux pas, hein. C'est des paysans, quoi. Ça marche. C'est comme si c'était un peu. Je crois que je me c'est pas celle-là, c'est celle-là en face là-bas. Ah, d'accord, ça oui. Oui, c'est ça, je veux refaire ça, hein. C'est bien ça. Hein. Ici là non, non, celle de la route. Ah ouais, je t'ai pas dit, Pierrot, je suis dyslexique. Moi, tu me dis à gauche, j'ai compris à droite. Ouais, mais c'est pour ça que je te montre. Ouais, non, c'est pour ça que je te montre. Généralement, je fais le signe avec la main bien, en même bien. Temps. Ouais. T'inquiète pas. Et si tu as un doute, demande-moi, ouais. Ça me dérange pas. Non, t'inquiète pas. Il y a quelques années, l'inspecteur il me dit mais qu'est-ce que vous faites à vos élèves avant le permis? Il dit vous leur écrivez des trucs sur les mains. Et en fait, mes élèves, j'en mettais un G ici avec le stylo et un D. Ils ont du permis, ceux qui ont eu du mal avec le droit de bien sûr, mais qu'est-ce que vous leur faites? C'est un truc entre nous. C'est vrai, en plus, tu dois rouler comme ça, donc tu peux. Oui. Tu vois très facilement. Les gens faisaient ça le jour du permis, tu sais, ceux qui avaient, je savais qu'ils avaient du mal. Tu sais. Alors là, ceux qui dit qu'est-ce que vous leur faites? Je dis vous inquiétez pas. C'est un Trüchtersheim, on y était. Ouais, Trüch. La commune où les gens payent le plus l'ISF, on m'a dit. Ici. Le petit Monaco, ils appellent ça. Blindé. Ah, t'habites ici, t'as réussi ta vie. Ouais. T'achètes ici, ouais, t'as réussi ta vie. Le patron de Superu, il avait tout le ouais. Sinon, t'as aussi, dans le coin de Colmar aussi, c'est pas mal aussi là-bas. Quand j'ai connu, il était chef de rayon. Super U de où là et c'est lui qui a monté le Super U à Couche ça. Ah d'accord. Maintenant il est millionnaire. Mais par contre il est toujours resté très simple. Ouais, puis il l'a pas volé. Parce que et c'est un coup de poker, faut investir au démarrage, c'est du boulot, la grande disquerie, le gars il a dû bosser et se lever dans la nuit. Et il l'a pas volé, tu vois. Lui au moins il mérite quoi. C'est vrai que je me rappelle à l'époque. Ouais non mais c'est clair, je sais pas là, il a bossé, puis il fait bosser du monde. Ah oui, maintenant. Ah, donc, oui, je pense qu'il est correct avec son personnel. Bah c'est top hein, quand c'est comme ça. Ça va, ça va. Marc, on est à combien de temps là, vidéo? Il a fait un 500 000 euros. Hein? 2 hours later. Et là, il va pas te louper là. Hein? Ouais, ouais. Ah, il va pas te louper là. Non, c'est pas une chance. On va déjà essayer de sortir de là. Non, non, ça passe, ça passe. Germain, ça va? Ouais, c'est bon la place. Ouais, ouais, allez, go. Attends, j'ai permis à zéro. Oups. On part un peu vite. Ouais. Si jamais pas à zéro, hein? On n'aura pas les données. C'est fini. La j'avais noté, hein, merci. 16, 20, aero. 16, 18, 17, aero. Allez. 15, 20,
Ah, il y a un sens interdit. Si on recule. Ah ouais, je vais rentrer par là. On finit peut-être pas la partie là. Oh, t'inquiète. Bien joué. Allez, on est parti et on part à gauche. Carrément, t'as pris René. On ne sait jamais. Sur la gauche. Normalement, j'ai bien précisé. Là c'est comme ça. Si tu veux le remettre en automatique, c'est la commande vers toi. Ils en mettent pas automatiquement en auto? Si. Pas super. Normalement, non? Donc tu peux rester au manuel. Là, quand tu montes les vitesses de toi-même, si normalement, si. Au bout d'un certain temps, il se met automatique. Ben, il faut que le manuel il soit dans les. Dans les tours. Non, non. Là maintenant, si maintenant il le monte manuellement, tu vas voir, ça va être marqué manuel et ce sera entre les parenthèses. Là maintenant, ouais, manuel entre non. Parenthèses, il va partir. Non, non. C'est comme ça. Là. Et là, pendant un moment, il va rester comme ça et après, il va se mettre automatiquement sur automatique. Moi, ben, t'es discipliné, j'obéis, 50 c'est 50. Oh bah. Un peu frustrant sur cette route, mais. Clairement, ouais. Fait un effort, ils ont dû enlever les autres panneaux. Moi je pense que c'est un oubli, hein. T'as vu, il en reste que quelques-uns, à mon avis, oublié de les ramasser. Acheter un œuf comme ça, c'est pas le même prix après là. Là il fait encore le boulot. Hein. Bah c'est ça. Hein.
la camionnette. Exactement au même endroit. C'était un camion ce matin. C'est pareil, il vient. C'est un truc de ouf. T'as toute la ligne droite. Mais il n'y avait rien, hein. Ouais. On était les deux seuls. Voilà. Mais c'est tout le temps comme ça, de toute façon. Tout le temps. Alors, il se coulait avec la montée, regarde. Ouais. Tu vois, t'es déjà à 50. Tu penses qu'il descend à 40? Bon, je laisse le couler encore. Tu t'attends un tout petit peu, mais. À toi. Ouais. 40, oui. Ah ouais, t'es large. 40. Et t'as vu tout ça, on n'a pas touché au frein, on n'a pas touché à l'accélérateur. Là, c'est juste avec l'inertie du véhicule, c'est top. C'est bien pour la priorité. Donc c'est là, pas tout le monde. C'est en face qui va légèrement à gauche là comme ce matin. Avec le kart, t'avais pas le choix, hein. T'es dans le virage, bon voilà. Ouais, mais là tu vois, il devrait mettre un miroir dans ce truc. Ça serait bien. On t'attendait. C'est bon pour la conso, ça. Ouais. Démoler l'ancien.
la bière qui va couler. Elle coule déjà à flot chez nous. Ils arrosent pas de l'ail, c'est ça va. Ouais. Besoin d'arroser. La terre a même pas encore digéré là, ce qu'elle a reçu. Même les nappes phréatiques, hein, ils ont eu du mal. Hein. Tu vas déjà me dire ce que tu as pensé de ta conduite. Déjà, je l'ai trouvé beaucoup plus économe, moi, ouais. Tu vois, personnellement. Ouais, je suis d'accord. Beaucoup moins agressive. Sportive, on peut dire. Sportive, ouais. Ouais. Bon, après, mis à part les deux coups avec le rond-point, mais bon, voilà, mis à part ça. Alors, si on veut tout analyser, tu as plus de trafic que ce matin. Il y a beaucoup plus de monde. Hein. On traverse la zone commerciale, on a beaucoup plus de gens et tout ça. Malgré ça, si on regarde la conso, en ayant fait le même parcours, on est d'accord, on a une minute de plus. Parce qu'évidemment, on a un petit peu plus de monde, mais sur une minute, sur ce trajet-là, ça ne change pas grand-chose, on va dire, une minute. Ouais. Par contre, au niveau de la conso, on passe de 29,6 à 28,1. Tu gagnes 1,5 litre. Donc c'est impressionnant. Et sur le même parcours, tu avais consommé 7 litres pour faire ce parcours ce matin. Là, tu es à 6 litres. Donc tu as économisé 1 litre en 40 minutes. Si tu fais le calcul en fin de journée, tu vois, tu as presque économisé 10 litres en fin de journée. 10 litres à 1,60. Voire même plus, hein, 12, 16 euros, 13. 16, 17 euros. D'accord. Ou 20 euros. Sur la journée, ouais. Donc tu fais ça à la semaine, tu rapportes ça à la semaine fois 5. Ouais. On est sur du 16, 32, 64, 80 euros par semaine. Ouais, tu te rends compte? Fois 4 encore, ouais. 300, okay. Allez, bon, bah, 320, on dira ouais. 330, 350 même. Ouais. Et vu que le prix fluctue, ouais. Bah, 350 sur l'année encore, ça fait un billet. C'est clair. Ouais, c'est clair, ouais. Donc 300 euros en économisant, juste en faisant un tout petit peu attention à sa conduite. On n'a pas perdu de temps, tu as vu, on a mis le même temps. Ça, c'est ouais, ce qu'il faut retenir. Exact. Parce que souvent, l'argument, c'est quand je fais de la conduite éco, je perds du temps. Et ben non. Là, j'arrive à vous montrer que non. Moins de fatigue, parce qu'une conduite sportive, c'est fatigant. Accélérer pour freiner, pour réaccélérer, ouais, ouais. Ça fatigue. Donc là, en plus, on gagne, nous, en confort. Hein. Ouais. L'éco-conduite, c'est aussi l'humain. Hein. C'est s'économiser, nous. Ouais, ouais, ouais. Et j'économise mon véhicule. Ce matin, je t'ai fait la remarque, je t'ai dit que tu utilisais beaucoup ton frein au pied. Ouais. T'appréhendais aussi le véhicule, tu le connaissais pas, il fallait que voilà que tu maîtrises un peu mieux. Cet après-midi, t'as vachement joué le jeu, tu as économisé du frein au pied, t'as plus utilisé ton ralentisseur, donc on a gagnant sur toute la ligne, on a vraiment gagné. Et comme tu viens de faire le calcul, 300 euros de carburant à la fin du mois. Alors pareil, l'argument, oui, mais c'est pour le patron. Si le patron gagne de l'argent, votre entreprise va bien. Si l'entreprise va bien, oui, c'est exactement ça. C'est une, voilà. Ça fait effet boule de neige. Exactement, derrière, ouais. Exactement. Ouais. Ça marche. Allez, messieurs, écoute. Merci d'avoir joué le jeu. C'est bah, cool. De rien, ouais. Non, c'est. Merci à toi de nous avoir supporté. C'est non. Ouais, c'était vraiment un plaisir. Vous êtes une équipe très agréable. La discussion était très agréable. Vous avez joué le jeu. On arrive à démontrer que ça arrive quand même, que c'est efficace en faisant des tout petits trucs. Hein. Je vous ai pas. On n'a pas fait des trucs de fou. Hein. On a juste du bon sens, ouais. Un petit peu anticipé, regarder un tout petit peu plus loin, gérer un peu mieux son véhicule, et on a des résultats qui sont déjà probants sur 40 minutes de conduite. Alors ouais, imaginez si on avait fait ça sur une journée complète, quoi. Ouais. Voilà. Merci en tout cas. Merci messieurs, ouais, c'est cool. Merci. Bon les amis, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas. On like, on s'abonne et on partage un maximum. Les amis, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous dis à très très bientôt. Je vous kiffe. Allez, peace la famille, ciao.